faire deux ateliers. Alors, les bleus, vous mettez un à chaque coupelle. Un à chaque coupelle. Sauf la coupelle du fond, là. Vas-y, allez-y. Les rouges, même dispositif que les bleus. Un joueur à chaque coupelle, hors de la surface. Ici, on est sur un jeu combiné. Dans la surface. Les gardiens, ça va peut-être aller vite. Donc, j'explique. Le joueur qui rentre dans la surface, c'est celui qui va terminer. Donc, je donne, une fois que je rentre dans la surface, les autres, vous rentrez dans la surface. Je joue avec toi. Tu joues avec lui. Tu joues avec lui. Et toi, tu centres une touche. Une touche dans ce carré-là. D'accord? Et pendant ce temps-là, une fois que tu as donné, toi, tu ne quittes jamais le ballon des yeux. Tu fais une course et tu as trois portes à passer. C'est toi qui choisis. Pour l'instant, on en est là. Après, je vous donnerai les règles. On va vite. Les trois joueurs partenaires, une touche. Les trois. Une touche chacun. Et ça va vite. Ni trop tôt, ni trop tard. On y va. Celui qui est la source, c'est celui qui termine, mais obligation de passer derrière le mannequin là. Et après, tu choisis axe, premier poteau, deuxième poteau. Donc, au moment où je rentre dans la surface, il faut vous rapprocher. Voilà. Un contact, un contact, un contact. T'es droitier? Il est gaucher. Donc, toi, il faut que tu joues sur son pied gauche. T'es droitier? Donc, lui, il doit pouvoir centrer pied droit. C'est parti, bleu là-bas. On y va. Allez. On se rapproche, on se rapproche. Bien joué. Ok. Allez. Bien joué. Je suis centreur. Mon partenaire vient d'en dehors de la surface. Entre le point de péno et les 5,50, le gardien peut la prendre. Le gardien peut la prendre. Si vous la mettez légèrement devant, le gardien, s'il joue bien le jeu, il va la prendre. D'accord? Donc, mettez un ballon plus fort et plus loin que trop court et trop près. Je vais démontrer. Vas-y, fais ta course. On parie, moi. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Un peu plus loin que trop court et que trop près. On y va. Allez, c'est parti. Vous comptez vos buts, les rouges et les bleus. Alors, un but marqué, écoutez, sur un petit filet. Petit filet, c'est 2 points. Marqué normalement, c'est 1 point. Si vous touchez le petit filet, vous marquez 2. Ok? On part sur 3 minutes. Ça va vite. Top! On évolue dans l'exercice. Écoutez les autres. Les rouges, vous voulez une bière ou quoi? Parce que vous êtes 5 à la source et il en faut au moins 1 là-bas. Allez-y. Allez. Donc ici, on évolue. Le joueur qui rentre dans la surface, décide à qui tu veux donner. Donc vous les trois, au moment où je rentre dans la surface, vous rentrez dans la surface. Mais je peux te donner aussi bien à toi, qu'à toi ou qu'à toi. Et après, le centreur, évidemment, ça peut être toi, ça peut être toi ou ça peut être toi. Et toi, tu continues ta course. Et on joue en une touche. On va démontrer. Plus fort le centre, plus fort que trop court. Ok. Bien joué. Bien joué. Même chose que tout à l'heure, sauf que celui ou le dernier qui touche le ballon peut un centrer ou deux frapper. Mais s'il frappe, il frappe en 2 touches. C'est-à-dire que tu as une touche pour avancer et une touche pour frapper. Et le joueur qui finit devant le but, il a l'obligation d'être devant le but. Frappe. Il centre. Bien joué le centre. Allez. Allez.